Le personnel des services pédagogiques du conseil et des écoles travaille de concert pour assurer le succès des élèves. Voyons voir comment l'école élémentaire catholique Saint-Noël-Chabanel a réussi à améliorer de 15 % les résultats de ses élèves en mathématiques entre la troisième et la sixième année, ce qui lui a valu d'être reconnue comme école en action par l'OQRE. Notre cohorte de troisième année, quelques années passées, ont rencontré quelques défis au niveau de leur rendement, en mathématiques particulièrement. Donc, l'équipe s'est vraiment penchée sur cette cohorte-là pour mettre en œuvre des stratégies à haut rendement, qui feront en sorte que cette même cohorte-là puisse s'améliorer. Et la plus grande stratégie qu'on utilise, c'est vraiment l'enseignement différencié. On essaie d'adapter nos enseignements selon le niveau actuel des élèves afin de les faire progresser. On encourage aux élèves de pratiquer les mots mathématiques en utilisant leur leximath. Et on veut vraiment démystifier l'erreur. On veut vraiment que les élèves soient capables de faire des erreurs, n'aient pas peur de faire des erreurs. Et c'est comme ça qu'on peut s'apprendre l'un de l'autre des stratégies utilisées. Le travail a été fait en concert. Alors, on a des équipes internes à l'école qui se penchent sur les problématiques en analysant, par exemple, les données des élèves, en pistant nos prochaines étapes pour chacun des élèves. Et nous mettons aussi le co-enseignement en pratique où les enseignants, l'autre enseignant peut aller dans l'autre classe et enseigner avec l'autre enseignant pour mieux progresser dans l'apprentissage. Afin de pouvoir utiliser les stratégies qui fonctionnent bien avec moi et certains élèves, peuvent ensuite peut-être appuyer Epiphane avec ses élèves qui ont des difficultés semblables. Donc, ensemble, l'équipe interne d'enseignants titulaires, de spécialistes, ainsi qu'avec l'appui du conseil scolaire, ont fait en sorte que les stratégies ont pu se vivre auprès des divers groupes ici à l'école pour voir et vraiment effectuer un réel changement dans l'approche de l'enseignement et dans les résultats d'apprentissage des élèves. Et en effet, l'an dernier, l'OC nous a reconnus pour avoir mis au point ces stratégies à haut rendement-là qui ont fait en sorte que cette même cohorte ont réussi le test.